Donc, je m'appelle Isabelle Vaillon, je suis enseignante en cinéma audiovisuel à Vic-en-Bigorre et je suis bénévole à la CUMAF 65 depuis une vingtaine d'années. Voilà. La CUMAF 65, c'est une association qui existe depuis une quarantaine d'années. C'est parti sur le principe des CUMA. Donc, en fait, c'est une coopérative d'utilisation de matériel audiovisuel qui donc, a pour vocation de prêter du matériel, d'offrir des formations sur le matériel audiovisuel. Et maintenant, elle s'occupe de diffusion de documentaires et de production de documentaires en milieu rural et d'accompagnement pédagogique pour les intervenants sur le 65. Les rencontres et la CUMAV, en fait, ils profitent, on va dire, pour créer les rencontres à proprement parler, de l'ouverture dans les années 80 des enseignements artistiques audiovisuels dans l'éducation nationale. Et donc cet engouement est grand à l'époque, donc effectivement, il y a beaucoup de structures qui s'ouvrent. Du coup, les rencontres vont servir aussi de lieu de rencontre pour ces petites structures qui s'ouvrent dans tous les lycées et qui essaient de faire de l'audiovisuel avec les élèves. Et aujourd'hui, on est, à mon avis, de nouveau dans un virage pour l'enseignement de l'audiovisuel. Donc la CUMAV accompagne toujours l'option à bannière et l'enseignement de spécialité à Vic, mais on ne sait pas du tout ce que vont devenir les options facultatives artistiques dans les lycées demain avec la réforme, puisque ce qui est maintenu, on le sait, c'est sûr, ce sont les enseignements de spécialité. Par contre, les options facultatives n'apparaissent plus effectivement, on va dire, dans les textes. Et donc, on ne sait pas du tout si elles pourront continuer. Et donc, du coup, on est effectivement là, je pense, à un moment où, à la fois, la CUMAV doit réfléchir à l'accompagnement qu'elle peut donner à ses enseignements dans les lycées, et d'autre part, où les rencontres risquent d'avoir moins de fréquentation parce que moins d'enseignements artistiques proposés dans les lycées, ou en tout cas dans des structures moins stables que celles qui existent aujourd'hui. Donc la CUMAV 65, dans sa participation et sa collaboration avec les rencontres, s'occupe donc de trouver les intervenants pour les ateliers, qui sont au nombre de 6. Donc l'atelier lumière, l'atelier direction d'acteur, l'atelier scénario, l'atelier son, l'atelier animation et l'atelier cinéma expérimental. Ensuite, elle prend des contacts pour constituer les jurys. Pour justement veiller à l'équilibre entre la pédagogie et les professionnels. Ensuite, elle s'occupe de la programmation du cours des grands. Donc, elle choisit des courts-métrages qui rentrent en résonance avec le thème et cette année, c'est Étincelle. Et enfin, elle prend des contacts aussi pour l'espace documentaire. Donc, elle choisit un documentaire pour le vendredi soir et fait venir le réalisateur qui, en règle générale, fait partie du jury. Salut les petits amis, nous voilà pour une nouvelle vidéo d'exploration. On est aujourd'hui devant un bâtiment assez incroyable où je crois que personne n'est allé depuis un sacré bout de temps et on va essayer de s'introduire dedans et aller voir s'il y reste. Alors, c'est marqué un établissement gardé, mais on va essayer de s'introduire quand même. Nouvelle fenêtre fermée, hein, on prévient toujours. On a de la chance, par là c'est ouvert. Donc on va y aller doucement. Et attention, ça a l'air d'être assez périlleux. C'est un peu ouf, il faudrait passer assez quelque chose. Ok. Là on est dans une salle qui est quand même extrêmement grande et on voit que. Il y a des bagues, des tableaux au plafond, il y a des restes de repas. Je ne sais pas depuis combien de temps c'est là, mais à mon avis, tout est périmé. Certainement. Hein.
Là j'ai trouvé une porte qui a l'air super intéressante. Je pense que ça amène à des trucs de dingue. Alors on va y aller. Ah, il n'y a pas de lumière. Et je pense qu'on va, tomber sur des trucs assez impressionnants. Les escaliers ils tournent, je ne sais pas depuis combien de temps on monte. Mais voilà une première porte. Avec attention aux chiens. Il y a une serrure. J'ai récupéré les vieilles clés en bas. Non, ça ne marche pas. Oh, c'est dommage. On continue vers le haut, l'escalier continue à monter et puis il y a une échelle. Alors, moi je vais passer le premier. Ah, ça a l'air vachement dangereux, quoi. Je crois que je vois une autre porte là-bas. On va aller voir. Il y a des toits d'araignée là. On a l'impression que personne n'est venu depuis des années. Il y a sûrement quelque chose d'assez fou comme on a pu voir depuis le début. Il ne faut pas avoir le vertige. Je ne sais pas s'il y a en bas, mais on dirait un vieil amphithéâtre. C'est peut-être romain ou grec. On arrive devant une nouvelle porte, on va l'ouvrir. Je ne sais pas du tout s'il y a derrière, mais juste là, c'est génial. En tout cas, il y a quelqu'un. Bonjour. Bonjour. On pensait qu'il y avait personne ici. Comment vous vous appelez? Alors moi je m'appelle Nicolas, je suis le nouveau projectionniste des RLV. D'accord. Avant il y avait Roland que beaucoup ont connu et, okay. Et voilà, il a voulu passer la main et on a voulu se porter sur moi. Votre boulot c'est de projeter les films. C'est ça, tout à fait. D'accord, enfin, c'est dingue. C'est pas mal, c'est sympa, ouais. Ouais. Il y a quoi comme matériel? Parce que je vois plein de trucs marrons, on peut jouer avec les boutons là ou c'est dangereux Non, on ne risque rien, ça c'est surtout pour allumer la salle, différents projecteurs, la scène entière, le jury, ou alors en bas pour les présentations des films. Ah, je pensais pas qu'on trouverait ce genre de choses par ici. Et si. On allume le vidéoprojecteur, alors moi j'utilise deux ordinateurs parce que ça me permet de switcher sur les présentations et puis sur les films sans qu'il y ait trop de soucis. Ça c'est un moniteur qui me permet de voir ce que j'envoie sur le vidéoprojecteur. Après je switch d'un ordi à l'autre avec cette machine. Voilà, donc là je suis sur le premier film. Alors je me prépare des playlists à chaque fois. Ok. Comme ça, donc là c'est pour la cour des grands qu'on verra tout à l'heure. Et... c'est dingue, du coup on a la liste de tous les films qui apparaissent. Ouais, ça c'est moi qui la prépare avant et du coup on a tout en fonction par session. Le jeudi matin, jeudi après-midi, et après on peut gérer le son avec la machine qui est derrière du coup. Là je ne l'ai pas mis. Ouais, là ça tourne. Et après ouais, moi je gère le son avec ça. Je monte ou je descends. En fonction du volume des films, j'essaye d'avoir un truc à peu près constant. En gros, tu as vraiment un rôle prépondérant là-dedans quoi. Sans toi, il ne peut rien se passer. Je dirais pas ça, je dirais que sans les lycéens et sans les gens qui ont fait les films, il n'y aurait rien du tout. Et voilà. Mais on est quand même devant le maître des lieux ici, quoi. C'est incroyable. Là, on te remercie en tout cas pour cette présentation. De rien, avec plaisir. Regardez mes amis, cette vidéo est terminée. On a vu aujourd'hui un bâtiment qui était quand même extraordinaire et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à le voir, à le visiter. Et surtout si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la et si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu vas me faire? Allez les gars, on recule, faut que tout le monde voit. Alors, qu'est-ce qu'on lui coupe? L'oreille, la langue, le terrain. Et le zizi. Si tu me touches, je le dirai au curé, puis au maire du pays. Pot de zébi, tu lui diras, t'auras plus de langue. Mais le zizi. Les gars, on commence par le haut. Ouais!
Tenez-le bien, les oreilles d'abord. Non, 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 fais passer le bras, non. Trouillard, c'est le dos du couteau. T'as pas honte? Ils sont tous comme ça dans ton bled? Ça se fait même pas. On devrait me foutre dans une grotte pour y récupérer chacun son tour. Ça ferait des chambres à gaz. Jacques, mon Jacques, vous l'avez volé, hein? Quand vous avez volé les autres, quand vous avez volé mon frère, avec votre air de femme bien soignée, sans peur du lendemain, hein? Maintenant, on peut tous dire, je suis une bourgeoise ratée. Comme vous, vous êtes une putain ratée. Tiens, j'ai envie de vous étrangler. Oh, ça suffit! Plus un geste ou je tire. Allez-y, tirez! Un peu de cran, tirez! Liquidez-moi comme vous avez liquidé tous ceux qui vous gênaient! Non!